Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Resident Evil Village, épisode numéro 14. On enchaîne, je pense qu'on se rapproche fortement de la fin du jeu. Écoutez, comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance, fermez vos volets, un casque, ou des écouteurs, quelques petits trucs à manger ainsi qu'à boire, et puis on va être parti. Donc sans plus tarder les potes, c'est parti. Donc on se retrouve dans le lieu principal où nous avons introduit le dernier bocal pour ouvrir la porte et se diriger vers Heisenberg. Du coup, j'ai fait pas mal de choses en off. Je suis retourné là-bas, il y avait un monstre géant, un lican Vous géant cherchez quelque chose en particulier? que j'ai vaincu. Donc il m'a fait perdre pas mal de munitions. J'ai vendu ces deux armes-là parce que je pense qu'elles nous serviront plus à rien. Maintenant qu'on a les meilleures Obtenir de la pompes et meilleurs marchandise est plus pistolets, important que tout. j'ai tout amélioré Ah, à ça y fond est, mon ami. parce qu'on a vendu pas mal de choses étant donné toutes les choses qu'on a Avoir récupérées dans faim? l'épisode précédent. Il y a C'est juste étrange. cet animal en bête que je pense que je vendrai parce que j'ai pas récupéré le corps. À mon avis, je l'ai soit vendu, soit je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas. Et lui, je vais le garder parce qu'on sait jamais. Je me dis que peut-être il y a quelque chose qu'on va récupérer et qui pourra être introduit avec. Donc écoutez, bah on va aller Merci de votre voir. visite. Merci à toi. On va aller voir notre ami Heisenberg. Voir ce qu'il nous réserve. Et à mon avis, on se rapproche du combat final avec lui et Mère Miranda. Allez, let's go. On va aller introduire ce qu'on a récupéré. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, ça inspire vachement confiance. Allez, on avance, on avance. Franchement, en tout cas, le jeu est vraiment magnifique, hein. J'ai adoré le jeu, clairement. Allez, le calice. Ah ok, on descend. Carrément. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Par contre, j'ai plus aucune munition. J'ai que 4 balles de pompe là. Ok. D'accord. Ok, bah écoutez, on va y aller. Petite sauvegarde. Nickel. Allez, on y va. Dans son usine. Très beau en tout cas, très très beau. Où est-ce Je qu'il nous voit là? n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime Usine bien. d'Heisenberg. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu prépares? Je vous jure, c'est comme Lucas. C'est clairement comme Lucas. Il fait que nous parler. Il vient pas nous voir. Je visite un peu, hein. Je fais un peu le tour pour voir si y a des petites choses cachées. Waouh! Doucement, doucement. Bon, il a l'air d'avoir rien. Écoutez, on y va. On est dans une sorte de grange. Ok. Là, il faut faire le tour. Qu'est-ce qu'on a là? De la poudre noire. Je prends. Je peux me faire quelque chose ou pas? Non. Vivement que je trouve de quoi me confectionner des balles, etc. Parce que là. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, on n'a rien. On avance.
Ok. Fluide chimique, je prends. J'ai combien de soins? J'en ai deux. Ok, ça va. Ça va, ça va. Attends, avant d'interagir, je fouille un peu tout pour ne rien louper. Allez, let's go. Ok. C'est quoi ça? Mia? La vérité est mal. Oh punaise, il est là. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler. Arrête-moi ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? J'ai pas le risque. Tu l'auras voulu. Oh bordel! Oh boy! Les gars, qu'est-ce que c'est que ce subterfuge? Oh là 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 là! Un cul-de-sac! Oh putain! Comment je fais? Je suis censé faire comment? Oh punaise! Les gars, c'était quoi ça? Oh non! Ça va être terrible, hein! Ça va être terrible! Oh là 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 là! Il nous réserve toujours des trucs de fou, cet Heisenberg, hein! Oh la vache, j'étais pas prêt! J'entends des lycans. Ah non. Putain, j'ai plus de munitions par contre. Je suis obligé de me barrer. Hein. J'ai pas de balles, j'ai rien. Allez! Allez! Il ouvre ça tout doucement!
Oh la vache. Ok. Putain, je suis où là? Faut que je remonte. Sa fameuse usine. Sa fameuse usine. Ok. Ça, ça fait plaisir. Quelques munitions. Ah, il y a le vendeur. Ok. Attends, le vendeur juste. On va save. T'as des nouvelles choses ah, ou pas du tout? Oui, oui. Oh yes. Oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là, les gars! Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. D'avoir une nouvelle arme comme ça. Je crois qu'on va garder pour acheter celui-là. Hein. Bah bah bah, le niveau de puissance. Et une mallette plus grosse. Oh. Ouais mais les gars, le truc c'est que je suis à sec. Vous savez quoi, on va prendre la mallette. Parce que je suis à sec et je vais me prendre un max de munitions de tout. Parce que là j'ai vraiment plus rien. Et je pense que les nouvelles armes, on va les prendre juste après. C'est quoi ça? Ok. À l'atelier. Ah, on peut encore également améliorer un peu plus les... Oh, par contre, comment c'est cher maintenant? Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là! Vous avez vu les prix pour améliorer les armes, là? Bon, je vais me prendre des balles. On se prend des balles, hein, parce que là, franchement, ça va être compliqué, sinon. Je vais me prendre une plus grande mallette. Ah, comme ça, c'est fait. Et est-ce qu'on améliore maintenant? Parce que je me dis qu'en vrai, mes armes que j'ai... Faut que j'augmente... Le magnum, je pense qu'on peut, on peut le mettre de côté. Je vais privilégier la puissance de mes armes. Donc on va augmenter la puissance de notre... D'abord de notre pompe. Un instant, je vous prie. Allez, du gun. Parce que c'est les deux armes que j'utilise le plus. Et Laissez-moi faire. Et du snipe. Voilà. Comme ça, la puissance de ces proies-là, je l'augmenterai à fond. Et plus tard, je viendrai acheter cette arme-là. Hein. Je pense que le semi-automatique... Il y a un pistolet mitrailleur, mais... Je sais pas, je le sens pas trop. En cuisine, on n'a toujours pas grand-chose. On peut pas améliorer notre santé. Revenez quand vous voulez. Ouais, bah, pas de souci. Une resave, hein. Ça mange pas de pain. Alors, on va tout reload. Voilà. Et puis, est-ce que... est-ce que j'ai des munitions de... Ouais, ok. Allez, nickel. On peut y aller. C'est parti. Bah, par contre, le gros là, moi, j'ai peur. Hein. Et je crois qu'on l'entend. Hein. Poudre noire. Ah oui, je vais me faire des balles de snipe. Parfait. C'est sûrement ce qui verrouille la porte, ça a l'air facilement destructible. Oh putain! Ok, donc les ennemis vont être plus véloces, hein. Il leur a mis une protection. Je sais pas ce que c'est cette protection là, mais... Putain, cette usine de fou! Ok... Ah quoique, je peux peut-être ouvrir là. Interagir, y'a pas de courant.
Non, là, je peux pas y aller. Hein. Ok. Oh, je l'entends, le gros. Hein. Ça m'annonce rien de bon. Quoi? Ok. Rien à foutre. Des sous, je prends. Ok. Ok, où sommes-nous? Alors attendez, de la ferraille je prends. On peut se faire des munitions de pompe. Plutôt pas mal, un soin aussi. Je vais en avoir besoin je pense. Plus de chimique je prends. Alors attends, juste je fouille tout correctement. Putain, c'est terrible, on entend le gros hein. Qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Je sais pas, mais je ne l'ai pas. Machine coulée, il faut une moule pour l'utiliser. Oh là là. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Et là aussi, il faut quelque chose. Ouais, on dirait bien qu'il manque quelque chose. Ouais. Bah, on va y aller. On continue. Par contre, j'ai pas de balle de magnum, ça me fait un peu plus peur. J'ai des bombes ou pas? Parfait. Pas de courant. Ok, on continue. Il a une tronçonneuse. Oh non, les gars. Pompe. Il va se réveiller, je vous le jure. Il n'y a aucun fucking doute. Bonjour monsieur. Vous réveillez-vous pas, hein? Moule relief. On se réveille pas, monsieur, hein? On reste comme ça. Ok, il s'est réveillé. Qu'est-ce que je disais? C'était sûr. Oh putain! Waouh! Oh putain, il court vite en plus. Vas-y, viens. Je te prépare le terrain. Ok, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Crochet peut-être. Yes. Ok, nickel. Attendez, parce que je crois que là-bas, il y avait quelque chose que j'ai pas récupéré. Non. Là, il y a de la poudre noire. Juste y retourner vite fait. J'ai cru voir quelque chose ici. Ouais, la ferraille. Et là, on a tout. Ok. Putain, j'aime pas. Le morceau de relief. C'est là, hein. Non? Attends. Ah, mais c'est pour l'autre.
C'est pour l'autre, c'est pour l'autre. Évidemment. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai pas confiance du tout. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Qu'est-ce que tu vas me sortir? Qu'est-ce que tu vas me sortir? Un relief de cheval, ok. Ça semble utile. Ouais, ouais, c'est pour ça. Rien à foutre, hein, pompe, hein. Alors là, j'ai pas le temps de jouer avec vous. En plus, on a un ennemi juste ici. Balle de pompe, parfait. Par contre, on va se faire au pistolet, lui. Qu'est-ce que c'est? Ok. Crochet. Heureusement qu'on en avait plusieurs là. C'est plutôt cool. Oh yes! Ça c'est beau! Ça c'est tout simplement beau! Mince. On va le reload. Comme ça, c'est fait. Ça, ça fait plaisir. Là, on n'a rien pour accéder à la suite. Donc on va descendre. Hein. J'aime pas parce que j'entends le gros. Cartouche de fusil, je prends. Ne cherche pas, je reload de tout. Genre, il faut passer au bon moment, quoi. Oh mince, derrière moi! Putain. Bon les gars. Pas le temps avec vos conneries. Ça dégage. Oh, ils m'ont fait mal, les bougres, ils m'ont fait mal. Combien? Ils peuvent se faire avoir ou pas? Yes. C'est un bon moment. Attends. Maintenant. Ok. Allez, on monte. On y va. Ok. Là, on enlève ça. Nickel. C'est verrouillé depuis l'autre côté. J'aime pas ce qu'on va traverser là. Clairement, je le dis, j'aime pas. Oh non, ça va sortir, hein. Les gars, ça va sortir. Ah, ça ramène à ici. Ok. Oh là là. Horrible. Ok, là, on peut détruire. Il manque une pièce. Oh là là. Il manque toujours des pièces dans ce foutu Resident Evil. Écoutez, on va casser ce mur. On se réveille pas, hein.
trouve le fusil. Pièce métallique cylindre. C'est pour ici. Elle est où? Ah mais c'est un trésor que j'ai récupéré. Ah ouais. Il faut quelque chose pour... Enfin quelque chose à rajouter dessus. Ok. Écoutez, ça marche. Pas de soucis. Est-ce que je peux me... Non, je peux me faire que du soin ou des grenades aveuglantes. Pas forcément besoin pour le moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite mine, je prends. La poudre. Plus rien. On va se diriger par là. C'est un labyrinthe, hein, clairement. Est-ce que ça fait flipper? Un document. Combattant mécanique soldat. Vers 1.100. J'ai utilisé le cadavre d'un homme adulte. J'ai retiré le cœur et implanté le cadou. J'ai réussi à stimuler les muscles via des impulsions électriques. Aucune capacité cognitive élevée à cause de la mort cérébrale. N'agit que par instinct de destruction. Ok. Combattant mécanique soldat. Vers 1.2. J'ai équipé sa boîte crânienne d'un casque de contrôle. Les électrodes confirment que les ondes cérébrales sont stables. Expérience. Combat contre les licans. Sujet démonté et dévoré en moins de 3 minutes. A des difficultés à détruire et à tuer. Combattant mécanique soldat 1.10. J'ai remplacé un avant-bras pour une perceuse par une perceuse. La puissance n'est pas suffisante pour être efficace. Peut-être qu'il me faut des corps encore vivants. Mécanique du coup vers 1.15, j'ai implanté le réacteur du cadou dans le thorax, la puissance a largement augmenté, expérience, combat contre des licans, 3 licans tués en 1 minute, de bons résultats mais quelques problèmes avec la solidité du réacteur, peut arrêter de fonctionner si son réacteur est détruit. C'est clairement les monstres nouveaux qu'on a découverts. Moule à roue dentée. Le moule à roue dentée. C'est déverrouillé. Alors juste, attendez, il y avait quelque chose d'autre? Ouais, il y a autre chose à récupérer ici. Ah, carte de l'usine inférieure, nickel. Ok. Sérieux labyrinthe aussi, son usine à Heisenberg. Donc là, on a récupéré la carte. C'était pour la mettre où déjà? Il faut que je me souvienne. Oh. Je crois que c'était par là, non? Putain, ils vont se réveiller. Hein. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? J'en ai rien à foutre. T'es mort? Il y avait intérêt, hein. Tac. Alors par contre celui-là il faut que je l'amène où? Telle est la question. Je ne sais plus trop. Grande roue dentée. Ouais, c'est clair que ça peut servir. Grande roue dentée. Interrupteur.
Je sais plus du tout où faut que j'aille du coup. Attendez. Là, ça m'envoie où? Clay Heisenberg. Non, ça sert à rien à voir. Ça sert à rien à voir, ça sert à rien à voir. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Je crois que c'était au niveau inférieur. Là-bas. Parce que là, quand je suis ici, j'arrive. Je vais démonter ça. Oh. Les balles de snipes. Ça ne se loupe pas, voyons. Je crois que c'était par là. Hein. Interrupteur monte charge. Il faut le courant. La grande roue dentée, c'était où alors? Ah là, je retourne vers le vendeur. Ouais, c'est pas par là. Attendez. Faut que je me retrouve. Parce que du coup, c'est un peu compliqué, cette usine là. Cette usine de... De fou furieux. C'était pas là? Non, rien à voir. Non, non. Non, mais ça doit être vers les monstres. Hein. Vers les nouveaux monstres là. Avec leur. Leur arme qu'ils ont sur leurs mains. Et c'était du coup. Ici, je crois. Hein. Pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein. Ah, là, voilà. Nickel. Non. Non. Oh, Ethan. Quelle déception. Oh, non. Putain, ça me fait yesh. Elle m'a forcé, nous a forcé à être ses enfants. Elle nous a enfermés dans ce village. Des décennies à être un sapote. Veux-tu seulement comprendre cette situation? Ça me fera vu. Table de tes conneries. Tu arrêtes. Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. J'ai donc besoin de puissance. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Bah écoute, parce que... Tout ceci est le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles, ainsi... Ok. Ah, on peut se faire pas mal de choses là. Réfléchis. Je vais faire un max de bombes et de mines. Parce que, à ce que je vois, les bombes et les mines, c'est bien efficace comparé à. Aux armes qu'on a de base. Donc, on va se faire ça. Tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan. Quel taré. Putain, je suis pas bien, les gars. Il est où? Il y avait un gros là.
Il est où, les gars? Quoi? Vas-y, ouvre ça. Récupère ta poudre. Ok. Passe à côté tout doucement. On va tirer dessus, hein. Ah, mais c'est peut-être pour... Ah, il est en bas. Ok. Ma bombe. Une mine. C'est le bon compromis avec eux, hein. Voilà. 3 suffisent. Bon, ça fait quand même beaucoup. Mais 3 suffisent. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, ça revient ici. Ok. On va aller par là, du coup. C'est terrible, hein. Ils sont terribles, ces monstres, hein. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Pourquoi pas des balles de pompe? Allez, ça on en a beaucoup. Oh putain. Ok. Vas-y, ouvre ça. Une petite mine, ça fait plaisir. Où je suis là? Ah, il faut que je fasse le tour là, ok. Ok, on continue. Oh! Oh putain! Il en a deux! Oh là 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 là, il en a deux! Ok. Ok, il en a deux. Il est mort? Ok. Fouh! Oh, le bougre! Enfin, heureusement qu'on a des bombes, etc. Hein. Sans ça, c'est compliqué de les tuer, ces monstres. Hein. On charge. Ok. On ne peut rien faire. Punaise, ça m'a fait peur ce petit fil là. On y arrive. Ok. Lui aussi, il en a deux. Ah, par contre, j'ai plus rien à foutre. Vous savez quoi? On va faire ça. Vas-y bien. On va faire ça. J'en ai rien à battre.
Voilà. Parce que ils sont plutôt chiants ceux-là. Ok. Ok. Allez, ouvre-toi ces âmes. Merci. Oh putain! Oh là 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 là! Cours! Ouh là 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 là! Allez, ouvre-moi ça! Barre-toi! Barre-toi! Oh la vache! Le courant. Oh! Mais il faut pas faire ça! Ah, il manque un truc à actionner. On monte. Oh wow, ce gros là! C'est une usine de barjo. Ah oui, oui, j'ai l'impression que j'ai avoir rien fait. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Bon, là, clairement, il me faudrait un petit point de sauvegarde parce que je pense que on a fait pas mal de chemin. Waouh. Ah non, non, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Ok. On a rien ici. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Il rend fou, hein. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Waouh. Je dois l'anéantir. On se casse. On se casse. Avec des histoires de famille. Ok. Il s'occupe pas de moi, on dirait. Hein. Ah si. Allez, passe! Oh punaise! Ok. Ok, on a rien, on a rien. On descend. On a rien derrière. Si, il y a pas mal de choses. J'ai pas de bombe. Punaise. Je peux m'en créer. Hein. Le pompe, c'est assez puissant ou pas? Non. Ça sert à rien. Faut une bombe. Ok, ok, ok. Les gars. Je sens le combat de boss. Je sens clairement le combat de boss ici. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Les gars, pour cet épisode. Waouh, waouh, waouh. Je sens qu'on va se battre contre le gros là. Il me fait terriblement peur. J'étais pas prêt. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les espaces commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un max. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. Je vous dis à la fois prochaine, c'était Saifu, prenez soin de vous. Tchuss !